Bonjour à tous, bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Selim, votre coach en séduction, et aujourd'hui je vais répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Aujourd'hui c'est Xonio et Unshy qui nous l'ont posée. Comment coucher dès le premier soir? Alors sachez qu'il y a tout un tas de conditions à remplir pour que ça se passe plus ou moins bien, et ces conditions elles sont très simples. La logistique tout d'abord, si vous êtes dans un bar ou une boîte ou une soirée entre amis, si vous voulez que ça se passe bien avec la fille, il faut que tout soit assez fluide. Donc, pensez à comment vous allez la ramener, chez vous ou chez elle. Est-ce que chez vous, c'est propre? Est-ce que tout est prêt? Est-ce que vous avez une capote sur vous? Pensez à tous les détails. Ensuite, un deuxième point, ça va être de réfléchir au contexte. Est-ce que c'est une soirée entre amis, une soirée dans un bar ou une soirée avec des inconnus complètement ou même des collègues de bureau? Ça va varier. Une fille qui vous connaît, une amie d'amis par exemple, elle va essayer de préserver sa réputation, elle va essayer de se cacher davantage parce qu'elle n'a pas envie que ça se sache. Une inconnue complète, elle n'a rien à perdre. Donc, si vous voulez que ça se fasse, les filles ont besoin que ce soit un peu naturel. On entend souvent ça, c'est quand elles parlent à leur copine, c'est ça s'est fait de manière naturelle. Limite, j'ai rien vu venir. Donc, il faut que vous soyez relativement fluide. Comment vous faites ça? On a une technique qui s'appelle le time bridge. Le time bridge, c'est un pont jeté en avant, c'est des prétextes. Il va falloir, au cours de la conversation, lui livrer un maximum de prétextes pour la ramener chez vous ou aller chez elle. Elle vous parle de sa collection de pins parlants ou de toutes ses photos de vacances en Thaïlande ou de n'importe quoi qui se situe chez elle. Essayez en fin de soirée de la raccompagner chez elle parce que vous êtes un gentleman, parce que vous avez peur pour sa sécurité, parce que vous avez véritablement envie de voir sa collection de pins parlants. De la même manière, si elle est vraiment intéressée par votre serpent dans un vivarium ou votre collection de DVD de Robert De Niro, allez-y, ramenez-la, mais toujours des prétextes. C'est très très important parce que c'est pas, il faut pas que vous vous retrouviez face à elle en fin de soirée. Bon, on va chez moi. C'est très compliqué. Donc des prétextes pendant toute la conversation, vous allez les semer et en fin de soirée, vous pourrez récolter. Maintenant, il y a la question de la confiance aussi. Pour coucher avec vous, une fille, il va falloir qu'elle vous fasse confiance. Alors comment on cultive cette confiance? La présélection, la preuve sociale, elle vous connaît peut-être parce que vous avez des amis en commun, ou alors vous lui expliquez dans la conversation que vous êtes un mec normal, que vous avez déjà eu des ex, que vous comprenez les filles, que vous n'allez pas disparaître du jour au lendemain. La notion de l'honnêteté est très importante ici. Une fille peut avoir envie de coucher avec vous juste pour un soir. Elle peut avoir envie de vous connaître uniquement sous l'angle plan cul et ne rien avoir à faire avec vous dans toutes les autres périodes de sa vie. Elle peut vous voir juste une fois par semaine. Et là, ce soir, ça commence. Donc, soyez honnête. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez être avec elle sur le long terme ou juste un plan cul? C'est à vous d'être honnête là-dessus, d'être vraiment direct. Parce que ça ne fait peur à personne aujourd'hui. Le dernier point qui va être très important, c'est ce qu'on appelle la sexualisation. Si vous voulez coucher avec une fille, il va falloir faire naître une certaine tension sexuelle entre vous deux. Et la tension sexuelle, elle va venir parce que vous allez aborder des sujets de conversation plutôt sexuels. Pas forcément sa position sexuelle préférée, puisque c'est un peu trop violent pour certaines, mais vous pouvez raconter l'anecdote d'un pote à vous qui vient de coucher avec une fille dans un local poubelle ou peut-être moins trash en haut de la tour Eiffel ou sur une plage et vous ne l'avez jamais fait. C'est à vous d'amener sur le tapis ces sujets un peu plus sexuels. Un gros avantage enfin pour vous, si vous êtes danseur, si vous réussissez à faire danser les filles, n'hésitez pas à aller sur la piste de danse, danser avec elles. Le fait de vous rapprocher, il est prouvé en termes d'influence qu'on réussit plus facilement à faire passer un message, à convaincre une personne quand on la touche. La danse, c'est très souvent un préliminaire à l'amour, donc profitez-en. On se retrouve très bientôt sur artdeseduire.com, sur notre page Facebook, notre compte Twitter, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!